Pourquoi la dîme ne rend pas le croyant riche? Pourquoi la dîme ne rend pas le croyant riche? Ou alors, si vous voulez, pourquoi la dîme ne peut pas rendre le croyant riche? Pourquoi la dîme ne peut pas rendre le croyant riche? Est-ce que ça va? Je vous recommande très vivement d'écouter les anciens messages, vous qui me prenez aujourd'hui et qui m'écoutez pour la première fois, sur des questions de surnaturel, opérer dans le surnaturel, le sang de la prospérité. Nous sommes en train de retraiter la série sur le surnaturel dans les finances. Amen. Je vous ai dit qu'en 1997, alors que j'étais à table en Sierra Leone, j'étais avec d'autres missionnaires à table, et ce jour-là, c'est vraiment une visitation extraordinaire. J'ai entendu Dieu, comme j'ai l'habitude d'écouter, qui m'a dit, laisse la nourriture, va dans la chambre, je vais te parler. Et vous savez, quand vous marchez avec Dieu, vous faites très attention à tous les événements surnaturels qui vous arrivent. Parce que les révélations que Dieu vous donne construisent votre homme intérieur et révèlent l'appel que Dieu vous adresse, ou alors le mandat qui est rattaché à votre personne. Et c'est pour ça que Dieu vous révélera des choses dans un domaine précis. Et vous devez être à même de consigner ces révélations, de les garder précieusement. D'accord? C'est très important. Donc, en 1997, quand j'ai quitté la table et que je suis parti dans la chambre, j'ai compris premièrement une chose. Chaque fois que Dieu veut traiter avec nous, il s'assure que nous lui donnons toujours la première place et que nous le faisons toujours passer en premier. Ce jour, il y avait le repas et il y avait l'appel de Dieu. Je pouvais choisir de ne pas me lever de la table. Et puis Dieu m'a dit, si tu ne peux pas abandonner certaines choses, pour moi, il y a des choses de moi que tu n'auras pas. Je n'ai jamais oublié ça. Et ça a construit mon homme intérieur. En ce qui concerne les choses de Dieu, je donne toujours à Dieu la priorité. Parce que j'ai appris ça de Dieu. C'est très important. Très important. L'un des problèmes que nous avons dans cette génération, c'est la négligence totale par rapport à notre appel aux responsabilités que le ciel nous a confiées. Non, mais il est important de comprendre que Dieu devrait être la priorité pour chacune de nos vies. Que quelqu'un dise, Dieu est ma priorité. Et donc, il m'a donné cet enseignement, il m'a donné le mandat de ne pas, et comme je l'ai déjà dit, de ne pas l'enseigner avant que le feu vienne me soit donné. Mais je me suis rendu compte que Dieu a pris le soin d'abord de me conduire dans plein d'autres enseignements, ensuite de bénir ma vie financièrement. Et après, il me dit, maintenant, tu peux l'enseigner. Et j'ai compris la sagesse divine. Pourquoi? Parce que la sagesse du pauvre n'est pas méprisée. Donc il y a des choses, quand tu dis, les gens ne comprendront pas. Les gens ne croiront même pas parce qu'ils vont se dire, bon, si c'était vrai, pourquoi ça n'a pas marché dans ta vie? D'accord? Eh bien, ça a marché dans ma vie. Et c'est pour ça, maintenant, il m'a dit, enseigne. Donc ce que je vais te communiquer, ce sont des vérités tellement profondes, tellement importantes, que si tu les reçois comme tu devrais les recevoir, tu verras la différence dans ta vie personnelle. Ton amen m'embête. Premièrement, personne d'entre nous n'a appelé à la souffrance. Je parle de souffrance matérielle. Hein. Maintenant, on peut souffrir pour la cause de Christ, mais ce n'est pas matériellement parlant. Dieu ne t'a pas appelé à la disette. Il n'y a pas d'appel à la disette ou à la pauvreté. Ça n'existe pas. D'accord? C'est très important. Malachie 3, versets 7 à 9. Malachie 3, versets 7 à 9. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez pas observées, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? D'accord? En quoi devons-nous revenir? Verset 9, 8, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Et conjonction de coordination, dîmes et offrandes. Verset 9, il est écrit, vous êtes frappés par la malédiction. Stop, là, un moment, regardez. Restons au verset 9. Observez ceci. Vous voyez, la Bible dit, vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Et il continue, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Il n'a pas dit, parce que vous me trompez, vous êtes frappés par la malédiction. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation entière. Ça veut dire, même étant dans la malédiction, vous continuez de me tromper. D'accord? Vous continuez de me tromper. La nation tout entière. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Moi, je vous dis dans les dîmes et les offrandes. Il n'est pas en train de dire, je vous ai frappé parce que vous n'avez pas donné les dîmes. Et les offrandes, non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, mais vous êtes frappés
par ma religion, les offrandes, et ça ne vous interpelle même pas. Revenez à moi, d'accord, avec l'obéissance à ce principe, en apportant vos dîmes, en apportant vos offrandes, et vous verrez alors si moi, en retour, je ne verrai pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne déverserai pas sur vous en abondance ma bénédiction. En fait, ici, écoutez-moi attentivement, le discours de Dieu, prophète, n'est pas « Dieu va vous frapper parce que vous n'avez pas donné ». Non, vous êtes déjà frappé. Vous voyez, vous subissez les conséquences. Vous criez à Dieu, vous voulez qu'il intervienne, mais Dieu est impuissant parce que vous avez muselé un principe qui ferme le ciel sur votre vie et qui empêche Dieu d'agir. Et il y a des moments dans la vie de certains croyants, le ciel est impuissant, le ciel est incapable d'agir. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous violez les principes de Dieu, vous muselez les mains de Dieu. Vous attachez Dieu, vous menottez Dieu. Dieu ne peut pas agir parce que vous avez violé ses principes. Et vous savez, la question de la dîme pose beaucoup de problèmes à certaines personnes dans cette génération. Vous entendez des personnes, surtout pour vous qui travaillez dans des sociétés, auprès de certaines personnes qui se disent instruites, qui pensent qu'ils ont eu un certain bagage et qui ont un certain regard méprisant à l'égard de l'église que nous sommes. Ah, tu vas dans ces églises-là, toi aussi tu donnes 10%. Mais eh bien, ça semble être une moquerie. Mais je vais vous dire une chose. Nous allons découvrir dans la parole de Dieu qu'il y a une forte différence entre ceux qui obéissent à ses principes et ceux qui ne le font pas. Très grande différence. Très, très grande différence. Et vous savez, souvent pour comprendre Dieu, il faut accepter d'être fou. Parce que vous ne pouvez pas comprendre Dieu avec votre intelligence humaine. Non, 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 non. Vous pouvez être agrégé, mais l'agrégation n'est pas un accès à la connaissance divine. Non, on peut être voilé tout en étant intellectuellement intelligent. Spirituellement voilé, par exemple. Vous voulez tout expliquer par l'intelligence ou par la rationalité. Les choses de Dieu ne sont pas toujours rationnelles. Je vous demande, je vous pose une question. Si vous avez votre enfant que vous aimez et qu'il y a d'autres enfants qui vous ont montré qu'ils ne vous aimaient pas, qui ne vous aimaient pas, il y a un que vous aimez. Vous allez tuer celui que vous aimez et qui vous aime pour ceux qui ne vous aiment pas. Je vous pose une question. Vous allez faire mourir votre enfant à la croix pour les autres et qui après même vont vous rejeter? Non. Mais ça, c'est comme ça que Dieu agit. Il n'y a pas de logique dans l'action de Dieu. Il n'y a pas de logique. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu avec la logique. On comprend Dieu avec la foi, avec le cœur, pas avec l'intelligence. D'accord? C'est très important de le comprendre. Ne rendez pas logique simplement les choses de Dieu. Non, 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 non. Ce sont les principes préétablis. C'est notre intelligence spirituelle qui nous permet de comprendre Dieu. Et ça, c'est important. Très important. Donc, Dieu répond là à un peuple qui subit, qui est en train de vivre les affres, la souffrance et la douleur de la malédiction frappée. Et il donne la solution en disant, si vous le faites, voilà ce qui va se passer, le ciel sera ouvert à nouveau. En d'autres termes, vos actions de désobéissance ont ouvert la porte au règne de Satan. Donc quiconque désobéit à un principe divin est en train d'obéir à un principe satanique. En fait, il n'y a pas de désobéissance. Quand on désobéit à Dieu, c'est parce qu'on obéit au diable. Et vous voyez, c'est pour ça qu'il dit, vous me volez. Et on appelle le diable qui le voleur. En d'autres termes, vous êtes devenus les disciples de Satan. C'est pour ça qu'il appelle voleur. Vous êtes devenus les disciples de Satan. Vous me volez. Donc vous faites les choses de votre père. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Donc c'est très important. Et donc il est important de... Parce qu'il y a certains mauvais enseignements qui ont été donnés au sujet des offrandes, de l'argent et tout. Je voudrais vraiment que nous comprenions ceci. Dieu ne veut pas que tu te dépouilles pour l'église. Ça n'a jamais été la pensée de Dieu. Dieu n'a pas envie que tu prennes tout ton argent pour déposer à l'église. Non. Non. C'est pas normal. C'est pas ce que Dieu veut. Hein? Car il veut que tu sois heureux, que tu entreprennes, que tu jouisses de tes avoirs avec ta famille, avec tes enfants. Il ne veut pas que tu prennes tout pour l'église. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Pas du tout. Maintenant, c'est vrai qu'on a eu certains gourous entre griffes
habillé en soutane ou en veste, qui ont fait croire que c'est ce que Dieu voulait. Mais ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Ça, c'est la pensée des hommes. D'accord? Il n'a jamais voulu que tu donnes tout à l'église. Pas du tout. Ensuite, il faut comprendre ceci. Apporter sa dîme à Dieu, c'est un mystère. C'est un acte mystérieux que vous ne pouvez pas comprendre si vous n'êtes pas spirituellement initié. C'est-à-dire, si vous n'avez pas une relation d'alliance avec Dieu, vous ne comprendrez pas ça. Ce n'est pas possible. D'accord? C'est important. La dîme paraîtra toujours comme une réelle folie. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu avec leur cœur. Mais pour ceux qui le connaissent véritablement, comme un acte, une source de réelle bénédiction. Et souvent, on a besoin d'un peu de folie pour comprendre Dieu. Regardez ce qui arrive dans la vie des personnes qui sont obéissantes à ce principe-là. Il existe véritablement un réel déclenchement de faveur et de distinction opéré par le principe de la dîme. Déclenchement de faveur et de distinction opéré par le principe de la dîme. C'est vrai, quand on apporte sa dîme à Dieu, il y a la faveur et la distinction. Ça, c'est clair. Il dit, vous verrez, si je ne ferai pas, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui craint Dieu et celui qui ne craint pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous l'apportez, à cause de l'obéissance à Dieu, il y a une distinction entre vous et ceux qui ne croient pas en Dieu. Que quelqu'un dise ça, c'est mon partage. Eh bien, de deux, la dîme constitue une réelle sémence, une sémaille. C'est vraiment une sémaille. C'est une sémence, parce qu'on parle d'un principe. Le principe de semer et de récolter. Et donc, une fois qu'une graine est mise en terre, elle porte toujours, elle se multiplie toujours, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Vous semez la graine de l'arachide, vous avez plusieurs arachides. Donc, la dîme est aussi comme une forme de sémaille, qui vous permet de voir une explosion financière. Une multiplication de vos avoirs, car c'est d'abord aussi un principe divin. D'accord? Il est écrit dans Genèse 8, verset 22, « Aussi longtemps que le ciel et la terre ne passeront, les semailles et la moisson, le jour et la nuit, l'hiver et l'été, ne passeront point. » Genèse 8, verset 22. D'accord? C'est très important. Et trois, bien au-delà de l'argent, la dîme va activer celui en tant que principe, sur ta vie, une protection surnaturelle. Une protection surnaturelle. Dans le domaine de ton travail, dans le domaine de tes enfants, de ta famille, de tes affaires, et même de ta santé. La dîme permet que tu sois en bonne santé. Parce que l'un des axes sérieux de dévoreur, c'est de te maintenir en mauvaise santé. Vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes dépensent d'argent dans les hôpitaux. Elles sont toujours en train de dire, mais pourquoi est-ce que tu donnes ta dîme à Dieu? Pourquoi est-ce que tu donnes ta dîme à Dieu? Non. Et ils ne se rendent même pas compte que s'ils l'avaient fait, ils ne seraient pas malades. Le dévoreur sera épargné dans ta vie au nom suprême de Jésus. Amen. Ton amen m'embête. Amen. Et vous savez, quand vous êtes obéissant à ce principe, même vos enfants et ceux qui habitent votre maison jouissent de la protection de la main invisible de Dieu. Amen. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur, amen. Pourquoi? Parce que la dîme te permet d'opérer sur un ciel ouvert. Et tant que le ciel est ouvert sur la vie d'un individu, ses problèmes sont résolus par le ciel. Alors, mais pourquoi est-ce que la dîme, donc, ne pourrait pas rendre un croyant riche? Pourquoi? Revenons maintenant dans le texte de Malachie 3, versets 10 à 12. Pourquoi? Pourquoi beaucoup de personnes disent, hey « Pasteur, j'ai apporté, j'ai donné ma dîme, mais je n'ai rien vu. J'ai donné, mais je n'ai pas vu la main de Dieu sur ma vie. Je n'ai pas prospéré. » J'ai vu plusieurs personnes à plusieurs séminaires m'approcher en me disant, « Pasteur, j'ai tout essayé, mais ça ne marche pas. » Eh bien, on va voir pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Quelles sont les raisons pour lesquelles la dîme ne peut pas amener un croyant à devenir riche. Malachie 3, verset 10 à 12. « Votre silence m'indique que vous avez tous envie d'être riche. » Que Dieu vous accorde cette grâce. Au nom suprême de Jésus. Il faut dire amen. Il faut dire amen. Malachie 3, 10 à 12. On va lire dans la version parole de vie. Version parole de vie.
Apportez donc réellement le dixième de vos biens. Déjà, avant qu'on y arrive, pour faire une mise à jour, vous savez que Abraham, quand il a donné la dîme pour la première fois à Melchisédek, la loi n'était pas établie. On l'a vu la semaine passée. Il n'y avait pas de loi, ça n'a pas été institué comme loi. Dieu va contracter une alliance avec Abraham et il va dire à Abraham dans Genèse 12, verset 1, 2, 3, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, vas-y dans le pays, je te montrerai, je te bénirai. Il parle au futur, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction. Et il dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Je ferai de toi une source de bénédiction. Donc le but de Dieu, c'était d'amener Abraham à des paliers distinctifs de visitation. D'abord, je te bénirai et ensuite, je ferai de toi une source. D'accord? Et donc, te conduit jusqu'à une dimension élevée de grâce. Et on se rend compte qu'Abraham s'en va, il sort de sa maison avec les richesses qu'il avait déjà. Et il va avec son nouvel hôte. On voit après qu'il y a l'hôte et lui, il prospère davantage. Et les brebis et les bœufs commencent, et les serviteurs se multiplient. Donc les deux se séparent, l'autre s'en va, et Abraham d'un côté, Abraham d'un autre. Ensuite, on vient rapporter à Abraham qu'on a arrêté son neveu l'autre, et qu'il a été fait prisonnier. Abraham scelle ses 318 de ses meilleurs soldats, et il s'en va avec eux, serviteurs, pour délivrer l'autre. Et pendant qu'il remporte le combat, il revient avec la richesse, comme c'était de coutume, deux peuples s'affrontent avec la richesse de l'autre peuple. Donc quand il revient, il rencontre donc Melchisédek. Et la Bible dit de Melchisédek, c'est un homme qui a ni père ni mère. Donc jusqu'à présent, la Bible le décrit comme un personnage mystérieux dont on ne connaît ni le commencement ni la fin, clairement. Maintenant, il donne à Abraham le pain et le vin, symbole de la parole de l'Esprit. Et la Bible dit, à partir de ce moment, Abraham donne à Melchisédek la dîme de tout. Il lui donne la dîme de tout. Et nous avons vu que cette dîme était la dîme de l'entreprise, la dîme de ce qu'il a gagné de ses efforts de guerre. Il a ramené la dîme à Melchisédek. Et à partir de ce moment, Melchisédek bénit Abraham. Et quand Melchisédek bénit Abraham, il est important d'observer que Dieu dit à Abraham dans Genèse 15, verset 1, « Marche devant ma face et toi intègre. » Donc Dieu n'est pas en train de dire à Abraham, c'est la fin de l'histoire. Comme s'il est en train de dire, nous sommes en train d'aller quelque part. Ce n'est que le commencement d'une grande marche. La dîme n'a pas été suffisante pour que Abraham entre en possession de la promesse qui lui avait été annoncée. Mais la dîme a permis à Abraham d'opérer sous un ciel ouvert et de jouir la protection de Dieu. Sa relation avec Dieu s'est améliorée à partir de cet acte. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Et là, on a vu aussi que plus tard, Abraham va recevoir sur lui la visite de trois personnes dans Genèse 18. Et la visite de trois personnes, c'est trois anges, symbole de père, du Fils et du Saint-Esprit, qui rendent visite à Abraham. Et puis, la Bible dit que Dieu a apparu à Abraham. Abraham leva les yeux et il vit trois hommes. Donc, ça veut dire là, il vit trois hommes. Dieu envoie des hommes chez Abraham. Ou alors, il prend la forme humaine et arrive chez Abraham. Il reçoit l'hospitalité d'Abraham et il parle sur la vie d'Abraham en disant, l'année prochaine, à la même époque, ta femme sera enceinte. Sarah rit, mais il est trop tard. Parce que le principe a été déclenché. Donc, le rire ne peut pas neutraliser ce qui est annoncé. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, en ce moment précis, rien ne prouve que Sarah avait la foi. Mais l'acte qui avait été posé était suffisant pour que le ciel envoie ce que Dieu voulait dans la maison. Elle a ri, mais l'ange a dit, ton riz ou pas, nous avons déjà mangé et nous avons déclaré que l'année prochaine, à la même époque, dans cette maison, il y aura un enfant. Est-ce que le Dieu que nous servons n'est pas capable de grandes choses? Ton amen m'embête. Alléluia. Hier, il m'est arrivé de porter un bébé miraculeux. Le Dieu que nous servons est capable de grandes choses, de faire des choses incroyables. Donne-moi le meilleur de tes amens. Et même malgré le fait que l'enfant naît, il sort et Dieu reste du regard d'Abraham. Abraham n'a pas encore ce que Dieu lui a annoncé. Donc, nous convenons clairement que la dîme était insuffisante pour la venue d'Isaac. Est-ce que quelqu'un comprend? Si la dîme était suffisante, les trois hommes ne seraient pas venus. Mais si c'est qu'à parler, les trois ont apparu. Et jusque-là, l'histoire d'Abraham ne s'arrête pas là. Et après maintenant, Sarah a un enfant. Dans Genèse 22, Dieu revient encore. Et il met à l'épreuve. La Bible dit, Dieu mit Abraham à l'épreuve en ces mots. S'il y a une épreuve, ça veut dire que le test passé avec la dîme n'était pas le test qui faisait venir la promesse annoncée à Abraham. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donne-moi ton fils, ton unique. Donne-moi ton fils, ton unique. Donne-moi ton fils, ton unique. Celui que tu aimes, Isaac. Et apporte-le en sacrifice sur la montagne que je te dirai. Donc, la dîme était insuffisante pour ouvrir le ciel et relâcher la manifestation des fils d'Abraham.
Mais elle pouvait permettre la marche d'Abraham vers la rencontre de trois hommes. Dieu pouvait apparaître à Abraham. Abraham pouvait faire des rencontres surnaturelles. Mais l'accès à Isaac, ou alors l'accès à toi et moi, était autre chose. C'est là où Dieu a demandé Isaac. Et vous voyez, nous devons comprendre qu'Abraham n'est pas devenu le père de la foi à cause des choses qu'il a reçues, mais à cause de celles qu'il a données. Le premier Melchisédek qui apparaît reçoit la dîme. Le deuxième qui apparaît, c'est-à-dire que nous voyons Jésus qui est sacrificateur du Très-Haut, il ne prend aucune dîme, mais il se donne. Donc, on va y arriver. Donc, c'est important de comprendre ceci, hein? Très important. C'est très, très important. Melchisédek a pris la dîme, Jésus s'est donné en sacrifice. D'accord? Les gens doivent comprendre qu'au-delà de ce que tu as entre tes mains, il y a quelque chose qui est plus important, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Donc il y a des personnes qui pensent que je peux corrompre Dieu avec la dîme, c'est pas vrai. Non, Dieu ne peut pas être corrompu par la dîme. Donc en venant donner la dîme, tu ne peux pas corrompre le ciel, c'est pas possible. Non, au-delà de ton offrande, il y a ton cœur. Dieu a agréé Abel et son offrande. C'était pas seulement l'offrande d'Abel, mais c'était d'abord la personne d'Abel, ensuite l'offrande d'Abel. Donc il faut se poser cette question, quel est mon état de cœur quand j'apporte ma dîme? Quand ça a été établi comme loi dans Genèse, dans Lévitique 27, verset 29 à 30, ça a été établi comme loi parce que Dieu a fait une promesse à Abraham. Donc la promesse est la mère de la loi. C'est parce que c'est elle qui a engendré la loi. C'est parce qu'il y a eu une promesse qui a été faite que la promesse a engendré la loi. Donc, est-ce que vous comprenez? Cette loi a été établie parce que Dieu a promis à Abraham que ses descendants seront bénis. Donc, ce n'est pas établi parce que Dieu disait, bon, si vous n'avez pas fait ça dans tous les cas. Non, c'était d'abord parce qu'il a dit à Abraham de bénir tes descendants. Il dit, tes descendants posséderont les portes de ses ennemis. Et donc, il était obligé d'ériger cela comme une loi en disant, puisque j'ai juré que je vais vous bénir, je vous oblige à ne pas menoter mes mains. Je vous oblige à faire ce que vous devez faire. Parce que j'ai déjà juré sur moi-même, alors j'ai érigé ça comme une loi. Je ne vous donne plus le choix. C'était la raison de cela comme une loi dans Lévitique 27, 29 à 30. Maintenant, si la loi a été abolie, la promesse subsiste. Il ne faut pas l'oublier. La loi a été abolie, la promesse subsiste. Car la promesse qui a été faite à Abraham, elle descend jusqu'à nous. Elle ne s'arrête pas aux Juifs. Ton amen m'embête. Hein? Amen. Très bien. Pourvu que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Et donc, vous voyez, la raison, c'est que beaucoup de personnes pensent, vous voyez, j'ai donné à Dieu, c'est suffisant. Non, 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 non. Revenons maintenant dans Malachie 3, verset 10. Allons-y, la parole de vie. Il dit, apportez donc réellement le dixième. Ça veut dire, réellement veut dire, il est possible que quelqu'un apporte 8%, 7%, 5%. Se présente devant l'autel en disant, j'ai donné la dîme. Le ciel dit, ce n'est pas la dîme, c'est le septième. On dit dîme à partir de 10. On est d'accord, n'est-ce pas? Ça s'appelle dîme parce que c'est dixième. Donc si je franchis, je suis à onzième, ce n'est plus dîme. Dîme, c'est dixième. Si on veut rester dans... Non, on est d'accord. Apportez donc réellement le dixième de vos biens dans la salle de trésor pour qu'il y ait toujours de la nourriture dans le temple. Je l'affirme, moi, le Seigneur de l'univers. Et vous voyez, dans ce contexte-là, les Lévites qui étaient au temple n'avaient pas part, ils ne travaillaient pas, ils étaient donc dispensés du service, ils n'allaient pas faire de business, etc. Dieu dit, bon, pour créer l'équilibre, pendant qu'eux, ils seront en train de travailler en votre faveur, dans tout ce que vous gagnez, vous prenez 10%, vous amenez au temple, et on va faire de façon qu'eux aussi aient une part. D'accord? Ça, c'est dans cet esprit. Et maintenant, il dit, moi, le Seigneur de l'univers, vous pouvez vérifier ce que je dis la vérité. Vous verrez, alors que j'ouvrirai pour vous les réservoirs d'eau du ciel. Écoutez-moi très bien, ça j'aime cette version. J'ouvrirai pour vous les réservoirs d'eau du ciel. Et que je vous couvrirai de bienfaits abondants. D'abord, premièrement, il parle de réservoir d'eau. Pour le juif, il comprend ce que c'est que le réservoir d'eau. Parce que la terre en Israël, il y a l'irrigation. L'eau n'est pas régulière. Comme ici où il pleut et puis les gens prient, oh Seigneur, bloquez le ciel qui ne peuvent pas. En Israël, il n'y a pas de pluie. Quand ça tombe, c'est une bénédiction. Et si nous prions pour que la pluie ne tombe pas.
En Israël, ça ne tombe pas, presque pas. Donc quand ça tombe, on célèbre parce que le ciel envoie la bénédiction. Et n'oubliez pas que c'est le peuple à qui Dieu a dit, je te conduis là où coulera le lait et le miel. Mais malgré cela, il n'y a pas la pluie tous les jours. Mais chez toi, il pleut tout le temps. Et donc, quand il parle de pluie, c'est parce qu'il dit tout de suite, quand la pluie va tomber, cette pluie va descendre pour arroser vos plantations. Donc, qu'en est-il donc de celui qui n'a pas planté? Non, je vous pose une question. Qu'en est-il de celui qui n'a pas planté? Quand les réservoirs du ciel vont s'ouvrir et qu'ils vont tomber par terre, rien ne poussera parce que ça n'a pas trouvé en terre les semailles. En d'autres termes, quand j'apporte ma dîme à l'Éternel, je dois m'assurer d'être en activité quelque part parce que le ciel... Oh, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Parce que le ciel regardera ce que je fais pour bénir l'œuvre de mes mains. Et si je passe tout mon temps à chanter, Dieu me fera chanter mieux encore. Et ne que je n'attende pas l'argent parce qu'il bénira ce que je suis en train de faire. Donc au-delà de la prière, il va te faire prier plus longtemps. Mais en priant plus longtemps, on n'a pas de cash. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un... Donc il faut faire quelque chose que la pluie va arroser. Et vous voyez par nos messages, on a dit aux gens, restez à l'église. Et Dieu a arrosé. Mais nos terres n'avaient pas de plan. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Nos terres n'avaient pas de plan. Et c'est la raison pour laquelle l'église est pauvre. Pas parce que Dieu ne bénit pas, mais parce qu'il ne trouve pas quoi bénir. Il ne trouve pas quoi bénir. Et ça, c'est triste. C'est vraiment triste. Les réservoirs du ciel sont ouverts, mais on ne trouve rien comme activité que tu es en train de faire qui peut permettre justement à la bénédiction de t'accompagner. Et il dit, regardez verset 11. Verset 11, il dit, pour vous, je détournerai les criquets. Encore, voyez là, les criquets, c'est ceux qui s'abattent sur les plantations. Je détournerai les criquets. Ils ne détourneront pas vos récoltes. Mais dis-moi, si tu n'as pas de quoi récolter, pourquoi les criquets? Il n'y a même pas de criquets à chasser. Parce que tu n'as pas de récolte. Ils n'empêcheront pas vos vignes de donner du raisin. Mais tu n'as pas de vigne. Je le promets, moi, le Seigneur de l'univers. Voyez-vous, donc à partir de là, nous constatons clairement que la dîme n'est pas le premier principe de la prospérité. Non, ce n'est pas vrai. Le premier principe de la prospérité, ce n'est pas la dîme. Le premier principe de la prospérité, c'est le travail. Le travail. C'est le travail. Et dans nos églises, on rendit les croyants paresseux. Les gens qui sont là, au début, ils attendent Jésus. Jésus arrive. L'ange est obligé de descendre pour dire, les gars, vous ne pouvez pas mener votre vie comme ça en regardant au ciel. Laissez entendre. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour travailler. Allez-y travailler. Faites quelque chose. Vous comprenez de quoi je parle? Et dans nos églises, on est devenu des églises où on entretient la paresse. Et on amène les gens à rêvasser. Un endroit où le pauvre pense qu'en priant beaucoup, il sera riche. Et les gens entretiennent cette illusion. Parce que l'illusion permet de dépouiller celui qui est en perdition et enrichit celui qui entretient l'illusion. Que cela soit banni et détruit au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens. Vous voyez, oui, et c'est pour ça que quand quelqu'un a l'esprit de pauvreté, il n'aime pas cette église. On n'est pas un endroit où on est là pour entretenir les gens qui font pitié. Non, non, on n'entretient pas les gens qui font pitié. Tu entres ici pauvre, tu sors riche. C'est clair, est-ce que quelqu'un comprend de quoi? Tu sors riche. Personne n'est venu sur la terre accompagner les autres. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a une certaine dignité que nous avons. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance. Je ne peux pas passer tout mon temps à attendre ma mère à ma soeur, à attendre ma mère à mon frère, parce que moi aussi je ressemble à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Moi aussi je ressemble à Dieu. Et je ne peux pas passer ma vie à être mendiant. Ce n'est pas mon partage, ce n'est pas ma portion, au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne le meilleur amen.
c'est ça, en entretien. Mais comment est-ce que Dieu va te bénir? Oh non, si simplement vous payez votre dîme. Oh, si vous donnez votre dîme. Oh, l'Éternel va vous arroser. La première des choses, c'est quoi? Un, il y a des gens qui n'auront jamais de dîme parce qu'ils n'ont pas de quoi dîmer. Ils n'auront jamais de dîme. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ils n'auront pas de dîme parce qu'ils n'ont pas de récolte. Donc, c'était le dixième des revenus. Mais il n'a pas de revenus. Comment est-ce qu'il fera donc pour devenir riche? Il faut qu'on amène la personne à créer un revenu. Donc, on doit mettre l'accent sur la productivité, sur la sémence du travail, la loi du travail qui nous permet d'avoir accès à un revenu. Donc, c'est la première loi. Vous savez, le peuple de Dieu est vraiment envoûté aujourd'hui. Dieu, dans le désert, fait descendre la manne et la caille tous les jours. Mais dès que le peuple d'Israël met le pied en Israël, la manne s'arrête. La Bible dit la manne a arrêté de tomber le jour où ils sont entrés à Israël. Pourquoi? Parce que Dieu disait, vous ne pouvez pas passer tout votre temps à dépendre du miracle financier d'en haut. Je veux maintenant faire les miracles, mais sur la terre. Avec vos propres mains, avec vos activités, avec ce que vous touchez, avec ce que vous entreprenez. Je déclare sur ta vie la floraison de tes affaires au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur amen. Tu vas signer des contrats dangereux. Parce que Dieu bénit d'abord l'œuvre de tes mains. Il faut que tu fasses quelque chose. Que quelqu'un regarde ses deux mains et dise, mes mains sont bénies. Mes mains sont prospères. Tout ce que je touche est favorisé. Moi, Raoul Wafo, je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. Car moi aussi, je jouis de la faveur déclenchée par les promesses annoncées à Abraham, mon père. Alléluia. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Amen. Quelqu'un dise amen. Donc ça c'est important. Donc vous voyez, c'est le premier principe. D'abord, c'est celui du travail. Je dois travailler. Je dois faire quelque chose. Et ensuite, voyez-vous, c'est dangereux de comment est-ce que nous apportons notre dit. Vous savez, il faut faire attention au discours que vous entendez. Moi, je suis arrivé dans des endroits et vous entendez le prédicateur parler. Et on est là, on dit, oui, bon, maintenant, si quelqu'un a donné 1 million, le lendemain, il deviendra riche. Alléluia. Et vous voyez, les gens sont là, les gens se précipitent pour apporter le million. Est-ce que vous savez que il y a des moments où quand vous donnez 1 million à l'église, le ciel ne considère pas votre million parce qu'il ne le reçoit pas. Vous savez, il y a des millions des offrandes qui sont des offrandes de corruption. Donc Dieu les considère comme abominables. Il dit, je ne prends pas. Parce que je ne peux pas penser que moi, hier, je t'ai demandé 5 000 comme offrande. Tu n'as pas donné. Et le prédicateur est venu te dire de donner 1 million. Et toi, tu cours pour donner. Je vais te montrer qu'entre le prédicateur et moi, moi, je suis Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Un jour, je suis arrivé quelque part. Le pasteur s'est fâché. J'étais dans ma chambre en train de prier. Et le Seigneur m'a dit ce jour-là. Il me dit, on va lancer un appel. Tu ne te lèveras pas pour donner. Ça veut dire, Dieu est tellement intelligent. Il dit, tu ne te lèves pas pour donner l'argent. Tu ne donnes rien du tout. Mais mets tel montant dans l'enveloppe, va donner au pasteur et dis au pasteur, de ta bouche, il lui dit, c'est ce que j'ai demandé que tu fasses. Et donc, pendant qu'on était au petit déjeuner, c'était une convention. J'allais voir le pasteur, je lui ai dit, bon, tiens, voilà. Il y aura un appel qui sera fait, mais Dieu m'a demandé de te donner ça et de te dire ça en face. Je lui ai donné, je suis parti. Je me suis assis, c'était devant. Le prédicateur est arrivé. Il a commencé à donner les témoignages de ceux qui ont été arrosés de grâce. Mais non, quel est ceux qui donnent, ceux qui donnent. Et puis, tout le monde se lève. Les gens se lèvent, mais je ne m'étais pas levé. Vous savez, les gens te guettent, on dit, c'est Wafo quand même. Wafo n'est pas debout. Et le Saint-Esprit me dit, tu tentes, tu vas voir ce que je vais faire. Tu t'assois, tu ne te lèves pas. J'étais assis. Et vous savez, souvent, vous êtes embarrassé. Tout le monde a donné autour, mais vous n'avez pas donné. Mais vous n'êtes pas monsieur tout le monde. Vous êtes Raoul Wafo. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Non, vous n'êtes pas. Vous savez, vous n'êtes pas monsieur tout le monde. Et le drame, c'est quoi? C'est qu'on a amené les gens à croire que celui qui donne 1 million est plus béni que celui qui donne 100 000. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Je peux donner 1 million et ne pas être
agréé par Dieu. Il y a des gens qui donnent pour se faire voir. Si on dit allez donner en cachette au bureau, ils ne veulent pas. Si c'est devant l'autel, ils se lèvent. Pas, c'est pas qu'ils donnent à Dieu, ils veulent se faire voir. C'est tout. Ils viennent donner publiquement. Mais quand vous dites secrètement, ils ne donnent pas. Mais écoutez, est-ce que Dieu traite avec toi dans le cœur ou publiquement? D'abord dans ton cœur. Donc vous voyez, on a transformé dans cela, il y a des registres de dîmes. Et puis après le pasteur appelle, pourquoi telle personne n'a pas donné la dîme? Bien aimé, attention, la dîme est un acte de foi. Donc si je n'ai pas la foi et que je donne par peur, ou je donne parce que je suis manipulé, ou parce que je veux plaire au pasteur, je n'aurai pas la récompense suprême. Je n'aurai pas la plénitude de ce que Dieu me réserve. C'est d'abord un acte de foi. Donc pas la peur, pas la peur. Les premiers messages que j'ai entendus sur la dîme étaient terribles. Oh, vous là, vous êtes mauvais, Dieu va vous frapper. Ainsi parle l'Éternel, il va vous frapper. Donc moi, je pensais que Dieu se baladait avec la chicotte. C'est comme ça que nous, on a connu Dieu. Il frappe, il frappe, il frappe, il frappe. Donc, j'avais tellement peur d'être frappé, je riais jamais. Parce que Dieu peut te frapper. Aujourd'hui, je vois les chrétiens qui rient. Nous, on ne riait pas à l'époque. Non, t'es trop sérieux. Faut pas rire, faut pas rire. Païen, prenez le monde, moi j'ai mon Jésus, ça me suffit. Faut pas rire, parce que même rire pouvait être un péché. Oui, on dit frère, il ne faut pas blaguer n'importe comment. Dieu n'aime pas les blagues. Donc même quand il y a un comédien à la télé, je ne peux pas rire, parce que Dieu n'aime pas les blagues. Faut pas rigoler. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est comme ça qu'on a grandi. Voyez-vous? Amen. Donc tout le temps on savait que Dieu peut frapper. Donc tout ce qu'on faisait, c'est par la peur. Et puis Dieu m'a dit, fils, enseigne à mon peuple à me donner par amour. Enseigne à mon peuple à me donner avec foi. Enseigne à mon peuple à me donner parce qu'il m'aime. Enseigne à mon peuple à me donner parce qu'il veut participer à l'avènement de mon règne. Enseigne à mon peuple la loi de l'amour. Voyez-vous, donc c'est différent. Et donc vous allez voir les spécialistes de la peur. Mon salaire fait 1 115 000. Donc ma dîme fera combien? On va calculer jusqu'au... On divise 5 par 10, 0, virgule. Donc voilà comment est-ce que... Voyez-vous? On calcule à la virgule près pour essayer d'équilibrer parce qu'il ne faut pas qu'on donne... Amen. Non, c'est la loi de l'amour. Vous savez, l'amour, c'est... Quand vous donnez par amour, je vais vous raconter une histoire. J'ai des personnes avec moi, parce que je coach pour les affaires, des personnes... Souvent, j'accepte que de recevoir les finances de certains des fils pour investir dans les affaires. Donc, j'ai pris les finances d'un frère à moi et j'ai mis dans mes affaires. Il s'est trouvé que là où j'ai investi l'argent, on n'a pas encore payé. Donc, il y a eu des problèmes, l'argent est bloqué jusqu'à présent, j'attends. Et il m'a appelé, il m'a dit, OK, mon épouse et moi, on a besoin de cet argent maintenant et tout. Et mais comme je l'aime. Vous comprenez, je l'aime tellement. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Faisons les calculs, ça va faire combien maintenant? On a fait les calculs. Je lui ai envoyé l'argent. Je lui ai donné. Mais je ne lui ai pas dit quel problème j'ai traversé. J'ai fermé ma bouche, je n'ai pas trouvé ça utile. J'ai dit, je l'aime, je supporte la peine pour lui. Vous savez, l'amour n'est pas toujours en train de regarder à soi. Et donc, on était en train de discuter de quelque chose une fois. J'ai dit, vous savez, j'ai un problème avec votre manière de traiter les gens. Faites attention à 1, 2, 3. Je dis, est-ce que vous vous rappelez que même l'affaire qu'on a faite ensemble jusqu'à présent, je ne suis pas encore payé, mais je vous ai payé. Donc, vous devez apprendre à manifester de l'amour. Et puis, la femme dit, ouais, après, tu n'es pas payé. J'ai dit, mais pourquoi tu ne as pas dit? Non, je vous aime, je n'ai pas eu besoin de vous dire. J'ai pris sur moi de vous donner par amour. Vous comprenez? Donc, c'est important. Dans notre relation avec Dieu, l'amour doit primer. C'est pour ça que le premier commandement, c'est aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est-à-dire que quand je portais mes 10% ou plus à l'autel, je ne peux pas me contenter de dire c'est tout ce que j'ai à donner à Dieu. Je l'aime. D'accord? Je l'aime. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je l'aime. Donc la peur n'est pas une motivation pour moi. Je donne parce que je crains Dieu, parce que je l'aime, parce que je suis participant de ses œuvres sur terre. Ensuite, tel qu'on a enseigné la dîme, à l'église, on a museler les principes divins qui sont enfuis derrière la dîme. Maintenant, regardez-moi. Aujourd'hui, vous donnez l'argent. Mais rentrez dans le contexte initial. Quand on parlait de dîme, il n'y avait pas que l'argent.
Abraham n'a pas que donné l'argent, il a donné la dîme des biens. Donc ça veut dire qu'au-delà de l'argent, il pouvait donner de l'or, des cycles, de tout ce qu'il avait. Il a donné le dixième. Donc, derrière, il y a des principes en vue derrière la dîme. Premier principe que j'ai découvert en appliquant, en mettant en principe le principe de la dîme, premier, c'est le principe de la priorité. C'est-à-dire, quand j'apporte ma dîme à Dieu, je mets Dieu en premier. C'est-à-dire, je dis à Dieu que quels que soient les revenus que j'ai, mes revenus ne seront jamais la source de ma sécurité. Jamais. Donc, mes regards ne seront jamais sur mon argent, mais sur Dieu qui m'a donné l'argent. Donc, en lui apportant ma dîme en premier, j'applique la loi de la priorité. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Je ne fais pas tous mes calculs pour voir si tout tombe avant de lui apporter la dîme. Non, je donne mais d'abord ce que j'ai à lui donner et je vois le reste. Et si d'aventure il y a quelque chose qui manque dans mon budget, alors je lève mon budget vers le trône de la grâce en disant, mon Père, toi en qui je crois, je te présente le budget du mois. Merci pour ta provision. Et j'attends le miracle de Dieu. D'accord? Donc il y a le principe de la priorité. Alors, il y a aussi derrière le principe ou la loi de l'amour, parce que je l'aime. Ensuite, il y a le principe du choix. Vous savez, quand vous donnez à Dieu, c'est un choix que vous faites. Donc, ça vous apprend à faire les bons choix dans la vie. Ça vous apprend à faire les bons choix. Je vais vous dire une chose. Un homme qui ne donne pas sa portion d'alliance à dîme à Dieu, c'est un indicateur que cet homme n'a pas le cœur pour Dieu. Une femme qui ne donne pas sa portion d'alliance à Dieu n'est pas loin d'une femme qui vit dans l'adultère. Non, laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que chaque fois que votre cœur se détache de l'autel, votre chair prend la place de votre esprit. Et vous allez vous rendre compte que l'un des indicateurs crédibles de votre amour, c'est votre don. Quand vous aimez, vous donnez. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Vous donnez, ce n'est pas vous promettez, vous donnez. Il y a trop d'hommes qui font des promesses, peu qui donnent. Si tu aimes, tu donnes. Homme comme femme, tu donnes, dis je donne. Oh, ta manière de dire même, c'est comme si tu ne donnes pas. Amen, je donne. Donc, vous voyez, il y a la loi de l'amour qui est déclenchée, je donne. Donc, et vous savez, il y a des joies divines que vous n'allez jamais ressentir quand vous n'êtes pas quelqu'un qui donne. Je vous le dis sérieusement. Vous ne pouvez pas imaginer le plaisir que j'ai. Quand je compte mon argent, quand je le mets dans l'enveloppe, quand je le porte à l'hôtel, il y a des joies que vous ne... Il y a des joies indescriptibles, de bonheur que vous ne pouvez jamais découvrir tant que vous ne donnez pas. Et je vais plus loin. Il y a des révélations de Dieu que vous n'aurez jamais tant que vous ne donnez pas. Il y a des choses de Dieu que vous ne connaîtrez pas quand vous ne donnez pas. Il y a des révélations de la Bible que vous n'aurez pas quand vous ne donnez pas. Quelqu'un à qui Dieu révèle la parole, c'est quelqu'un qui l'aime. C'est écrit dans la Bible. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'œil n'a point entendu, ce qui n'est point maintenant au cœur de l'homme, Dieu l'a révélé à son esprit, à ceux qui l'aiment. Pas ceux que Dieu aime, mais à ceux qui aiment Dieu. Dieu révèle ça. Donc il y a des dimensions de révélation de Dieu que tu n'auras jamais si tu n'es pas quelqu'un qui donne. Il y a des dimensions d'opération du don de Dieu que tu ne connaîtras jamais quand tu n'es pas quelqu'un qui donne. Qu'est-ce qui fait la différence entre une chante qui lève la main et qui dit « Seigneur, je t'aime. Oh, que je t'aime, Jésus. Oh oui, que je t'aime. Oh, que je... » Et puis une qui dit « Oh, que je t'aime. » Même tu parles, il y a des personnes quand elles chantent, le diable vient dire à côté, il faut fermer ta bouche, tu sais toi-même que tu n'aimes pas. Tu sais toi-même que tu n'aimes pas. D'accord? Et ça résonne dans ta tête. La chante, vous savez, souvent une chante perd la gamme. C'est pas qu'elle ne sait pas chanter. C'est qu'au moment là, le diable a parlé. Donc elle a écouté le diable. Et quand elle est revenue, elle est allée hors gamme. Vous voyez, non? On dit, mais qu'est-ce qui est arrivé à la soeur? Non, c'est que Dieu, le diable est venu dire, toi-même, tu sais que c'est pas le genre de chant que tu dois chanter. C'est pas, ça ne te concerne pas. Et le peuple ressent. Le peuple ressent. Elle peut se débattre, faire les trucs. Mais on sent qu'il y a un vide. Mais ça vient de quoi? Ça vient de sa vie. Ça vient de quoi? Ça vient de son cœur. Vous voyez, c'est très important. Donc, il y a un parfum de gloire qu'on ne revêt que quand on est un adorateur réel. Et la réelle adoration commence par nos offrandes. Vous ne pouvez pas exclure vos offrandes de l'adoration.
Non, c'est impossible. Abraham a dit, moi et le jeune homme, nous allons à la montagne pour adorer. C'est ça. Et chaque fois que Dieu vous touche, chaque fois que vous grandissez dans la révélation de son amour, vos offrandes augmentent. Je continue en disant que votre dîme ou vos offrandes sont l'expression réelle de votre cœur pour Dieu. Et il se fâche, mais comment tu peux donner tout ça à l'église? Comment tu donnes 20% à l'église? Mais entre un homme qui vient donner 20% à celui qui l'a créé et un homme qui va donner 100% à une jeune fille qui a la fille l'âge de sa fille, à la fin du mois, tu vois un vieux homme, vieux, qui est là, une jeune fille de 16 ans. C'est elle qui mange tout l'argent. Tes enfants peuvent pas aller à l'école. Et tu te plais, tu n'as même pas honte. Qui danse ça au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un comprend? Ils ne se plaignent pas quand ils vont chez des féticheurs et ils commencent à sacrifier des bœufs, ils commencent à donner l'argent. Le monde ne se plaint pas, mais quand on apporte à son créateur, il trouve que c'est du vol. Non, écoutez-moi bien, je suis prêt à donner tout à Dieu, même s'il ne me donne rien en retour. Je l'aime, pillant. C'est tout, je l'aime. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Pourquoi ça t'énerve? Pourquoi tu es fâché? Je l'aime, c'est tout. Quel est ton problème? J'aime mon Dieu, c'est mon Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je l'aime. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Pourquoi est-ce qu'on se plaint? Les gars vont en boîte de nuit, ils mettent 10 bouteilles de champagne sur la table. Et ils ont des cigares. Ils sont en train de détruire leurs poumons. Ils jouent au beau garçon. Et c'est ça qu'on applaudit. Tu es un homme sain qui dort aux heures normales. Qui apporte, même s'il donne 40% à Dieu, toi, tu es la femme, tu te fâches pourquoi? Pourquoi tu te fâches? Tu préfères qu'il aille donner sa femme dehors? Comment un homme peut se plaindre que non, ma femme donne trop à Dieu? Tu aurais aimé qu'elle donne ça au petit gars? Au petit pompier, comme on appelle? C'est ce que tu aurais aimé? Heureusement encore que ta femme aime Dieu. Vous savez, vous ne pouvez pas vous fâcher que quelqu'un aime Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas de l'escroquerie. Non! Ça fait part, ça participe de l'essence même de la vie, notre adoration à Dieu. Maintenant, je comprends qu'on a certains farfelus, je pèse bien mes mots, qui en font un abus, qui prennent et puis qui se mettent à faire n'importe quoi avec ses biens. C'est vrai que Dieu, ils auront de Dieu leur jugement. Mais la personne qui apporte à Dieu, avec un cœur sincère, un cœur dévoué, si la terre a mal géré ta sémence, ce n'est pas ta responsabilité. Toi, tu as apporté ta sémence. D'accord? Mais maintenant, si tu te rends compte que, bon, voilà, tu mets dans une terre qui est tout le temps dans les épines et tout, il faut quand même être aussi un peu intelligent. Vous ne pouvez pas prendre votre sémence, aller la déposer dans un endroit où tout le temps les épines poussent. Et un peu d'intelligence. Quel cultivateur ira dans le Sahara déposer sa sémence? Le vrai problème, la raison pour laquelle la dîme ne rend pas certains riches, c'est que le sol où ils déposent leur dîme est stérile. Souvent, Dieu est obligé de te faire marcher pendant un moment pour t'amener à l'endroit où tu dois déposer ta sémence. Il y avait beaucoup de montagnes, mais Dieu dit à Abraham, prends ton fils Isaac, amène-le là où je te le dirai. Ça veut dire que les montagnes là ne sont pas agréées. Il y a des montagnes accréditées et celles qui ne sont pas. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ils ont fait la marche, se sont éloignés. Ce n'est pas parce que c'est juste mon voisin, ou c'est quelqu'un de mon village, ou j'aime bien la dénomination. Je suis né dedans. En tout cas, chez nous, tout le monde est comme ça. C'est lui qui a porté mon Seigneur. Oh, c'est le Seigneur qui l'a porté. Tout ça, on n'est pas dedans. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il s'agit d'aller sur la bonne montagne. Dieu peut tolérer quand vous êtes encore un enfant dans la foi. Mais quand vous grandissez et que la sagesse et l'intelligence spirituelle vous est donnée, vous devez identifier l'endroit où vous posez votre sémence. Vous avez le droit et la responsabilité. C'est ça aussi la loi du choix. Oh non, on va faire ci, on va faire ça. Un an, on n'a pas fait. 10 ans, on fait la même promesse. 10 ans, tu donnes la même offrande. Tu ne vois pas la réalisation. Tu donnes encore pourquoi? On lance un appel. On va acheter un terrain. Le pasteur achète une voiture. On va acheter des instruments. Le pasteur achète des boucs à sa femme. On va acheter ceci. Il faut arrêter de donner. Qui vous a attaché? Qui vous a attaché? Le jour où vous voyez le pasteur transpirer, c'est qu'il prêche sur l'offrande.
Parce que là, il est énervé. Il est plus en colère que Dieu qui t'a appelé. Il est plus fâché. Là, il faut te poser des questions. Parce que si le pasteur se fâche trop, il est probable qu'il n'a pas encore payé sa facture. Et il attend ton offrande. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Écoutez-moi très bien, je parle au pasteur qui m'écoute. Le peuple n'est pas responsable de tes factures. C'est Dieu qui est responsable de tes factures. Oh non, vous l'êtes même. Dieu va vous frapper. Comment vous imaginez qu'un homme comme moi, je n'ai pas de carburant dans ma voiture? Je n'ai pas de carburant. D'ailleurs, je ne prêche pas. Qui t'a appelé? Tais-toi si tu veux. Et vous savez, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et c'est à cause de la dîme qu'on a beaucoup de brigands dans l'église. Parce que beaucoup qui disent qu'ils sont appelés, ce sont les renifleurs des dîmes, ce n'est pas les appelés. Ils sont là pour convoiter tes dîmes. Ce n'est pas l'appel de Dieu. J'ai 10 pasteurs qui disent qu'ils sont pasteurs, même pas 2 ont été appelés aujourd'hui. Je suis pasteur, je sais de quoi je parle. Même pas 2 ont été appelés. Toutes les révélations tournent simplement autour. Il faut donner, il faut donner. Il faut donner, il faut donner. Non. Non, c'est un principe. Et Dieu vous a donné l'intelligence et la sagesse. Je crois qu'au fait que les gens donnent des offrandes. Mais écoutez-moi très bien, ne le faites jamais pour faire plaisir à la tête d'un pasteur. Jamais. Obéissez au Saint-Esprit. D'accord? C'est très important. Obéissez au Saint-Esprit. Mais vous voyez, quand vous obéissez véritablement au Saint-Esprit, il y a de l'embellie dans votre vie. Il y a un mouvement surnaturel de Dieu. Il y a une faveur indescriptible qui vous accompagne. Votre vie est couronnée de grâce. Vous vous sentez porté par les ailes de Dieu. Vous planez dans la vie. Vous êtes au-dessus des problèmes parce que Dieu est avec vous. Mais il faut encore que vous compreniez ceci. Il faut derrière respecter les principes. Ensuite, vous voyez, et là, on va toucher un point très important. C'est ce que Dieu m'a dit quand il parlait. Il me dit, fils, aujourd'hui, vous avez à cause des prescriptions de 10%. L'Église a empêché à mon peuple de m'aimer comme je désire. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas demander à Dieu de vous donner tout ce qu'il a quand vous lui donnez 10% de ce que vous avez. La Bible dit, on te mesure de la mesure avec laquelle tu t'es servi. Donc, je ne peux pas, je crois que c'est Matthieu 7, verset 2, je ne peux pas avoir une mauvaise mesure et attendre que le ciel m'arrose, Matthieu 7, 2, justement, m'arrose, vous voyez, de façon extraordinaire. Amen. Par exemple, là, j'ai donné ma dîme. Je devenais riche. Non. La dîme n'a pas la capacité de rendre quelqu'un riche. La dîme ne te rendra jamais riche, sinon nous serons tous riches et très riches. C'est pas vrai. Hélas, c'est pas vrai. Derrière, dans la nouvelle alliance, on n'est plus à 10%, parce que 10%, c'était dans la loi. Abraham a donné 10% avant la loi. C'était dans la promesse. Mais nous vivons meilleur temps que celui d'Abraham. Et Abraham a conclu en apportant Isaac sur la montagne que 10% était insuffisant pour entrer dans ses promesses. Donc si je veux obéir, si je veux suivre les traces d'Abraham, je ne peux pas m'arrêter à 10% parce qu'Abraham avait les limites de 10%. Donc je commence à aller au-delà de 10. Et c'est pour ça que dans cette église, nous l'appelons pas dîme, on l'appelle portion d'alliance. C'est-à-dire quoi? Au-delà de mon dixième, si je donne 11, si je donne 12, si je donne 13, ce n'est plus la dîme. Ce n'est que très religieux de donner 15%. Ma dîme fait 15%. Est-ce que tu parles français? Ma dîme fait 15%. Ce n'est même pas français. Ma dîme fait 15%. Parce que ta dîme ne peut pas faire 25%. Ta dîme, c'est le dixième. C'est déjà établi dixième. D'accord? Donc, à partir de ce moment, il faut changer le mot dîme. Mais garder le mot principe. Et c'est pourquoi on dit portion d'alliance. Donc, je prends une portion de mes revenus. Par la foi, j'ai décidé moi-même volontairement tous les mois d'apporter tel niveau de revenus. Et comme le disait ma femme dans l'expérience personnelle qu'elle a faite, elle m'a dit, quand j'ai maximisé, j'ai doublé pour aller à 20%, je me suis rendu compte que finalement, à la fin du mois, j'ai le double de mes revenus, de façon mystérieuse. J'ai le double de mes revenus. Et puis, elle m'a posé la question, peut-on dire qu'on peut provoquer Dieu de cette façon? J'ai dit, il me semble, même au-delà des revenus financiers, n'oublie pas aussi que depuis que je te connais, je n'ai jamais allé à l'hôpital. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas que l'argent que Dieu donne. Non,
Dieu te donne plus que l'argent. Non, 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 il n'y a pas que l'argent. Parce que limiter ça à de l'argent, c'est faire de Dieu un trafiquant. Non, 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 Dieu va au-delà. Il n'y a pas que l'argent. D'accord? Est-ce que quelqu'un comprend? Il n'y a pas que l'argent. Il n'y a pas que l'argent. Il y a la protection. Il y a la faveur. Il y a la paix. Il y a la santé. Il y a la longévité. Vous avez la même maladie que quelqu'un d'autre. Vous prenez le même médecin, il meurt et tu vis. Et tu dis, je n'ai pas vu la grâce de Dieu. Comment tu peux être si stupide? Tu es encore en vie. Ça va au-delà de ça. Et vous voyez, le fait d'obéir à ce principe te délivre de la cupidité. Cette génération est cupide. Les gens sont tellement attachés à l'argent. Tellement. Tout, ils voient tout en argent. On dirait des descendants de Picsou. C'est incroyable. Tout est en argent. C'est juste terrible. Donc vous voyez, c'est incroyable. Abraham a dû apporter son fils. Donc là, on est dans la loi de la mesure. Là, Matthieu 7, verset 2. Regardez ce texte, Matthieu 7, 2. On vous jugera du jugement dont vous vous jugez. On vous jugera du jugement dont vous jugez. Vous voyez, parce que Franck vient. L'homme vous mesurera la mesure avec laquelle vous serez servi. Ok, très bien, voilà. Tiens, c'est pour toi. Ok? Allez, regarde, il dit à l'argent. Maintenant, il reçoit l'argent, c'est à lui. Il y a un jugement qui va s'opérer dès qu'il a l'argent. Il va commencer lui-même à juger. Il va prendre l'argent de ses mains, il va réfléchir. Au moment de la dîme, apportez-lui une enveloppe. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va juger lui-même qui est Dieu. Il va juger lui-même qu'est-ce que c'est l'argent. Il va juger lui-même qu'est-ce que c'est son don. Et il va décider de mettre une portion dans l'enveloppe. Pas une portion dedans. Fais comme d'habitude, tu fais. Hein? Très bien. Ok, il prend une portion, il met. On est d'accord? Il met. Alors, il garde ça entre ses mains. Donc, lui, son jugement, c'est que ça, c'est ce que Dieu mérite. On est d'accord? Et ça, c'est ce que je garde. C'est son jugement. On aurait donné à une autre personne qui l'aurait donné un peu plus ou un peu moins. Mais Dieu dit, ok, je laisse à chacun d'entre vous le temps de juger vous-même. On vous juge, au moins du jour où vous jugez. Et on dit, on vous mesurera dans la mesure où vous serez servi. Maintenant, il prend ça, il apporte à Dieu, ça fait 20%. Attendez. Dieu, maintenant, en retour pour le bénir, va regarder les trésors du ciel, ce qui est rattaché à son existence, et va se servir des mêmes 20% comme mesure pour mettre le dépôt et envoyer à nouveau dans sa vie ce qu'il attend. En fonction de ce qu'il donne, Dieu le mesure de la mesure qu'il a faite et le jugement qu'il a eu. Et souvent, en donnant ça, il peut dire vraiment, l'église, là, vraiment, moi-même, je suis... La prochaine fois, je ne donne même plus, je n'aime pas comment est-ce que le pasteur... Pourquoi est-ce qu'il a prêché en chemise? Il a jugé. Tout ça, ça a accompagné son offrande. Donc, quand ça arrive sur l'autel, il y a tout un jugement derrière. Et il ne se rend pas compte qu'en parlant de la sorte, le ciel enregistre l'intention du cœur quand il donne. Une autre personne prendra 20% en disant, vraiment, Seigneur, tu ne peux pas imaginer combien je suis heureux. Je suis heureux, mais ça ne prend ça, mais j'ai vraiment envie d'arriver à 100% un jour. J'ai vraiment envie de grandir. Seigneur, je veux te dire que si demain tu augmentes mes avoirs, je te resterai toujours fidèle, j'apporterai plus que ça. Seigneur, c'est parce que ma femme doit aller à l'hôpital, parce que pour accoucher, parce qu'il y a mes enfants, que j'ai gardé même laissé. Mais Seigneur, si tu me demandes plus, si tu veux, je t'en donne. Et il va avec 20%. Les deux ont donné les mêmes 20%, mais n'ont pas eu le même jugement. Donc quand ils arrivent devant l'autel, derrière chaque offrande, il y a un parfum. Derrière chaque offrande, il y a un cœur. Derrière chaque offrande, il y a une adoration. Donc Dieu regarde le jugement derrière et il regarde la mesure. Donc il regarde le jugement et la mesure. Et il décide donc en retour de bénir les personnes en fonction de ce qu'il donne. Voyez-vous? Ok? Donc c'est important de comprendre ça. Vas-y, tu gardes ça pour moi. Donc, alors, ce qui est important de comprendre, c'est ça. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. On te juge du jugement dont tu t'es servi. C'est pourquoi, veillez sur votre cœur quand vous donnez. Qu'il n'y ait pas d'amertume, qu'il n'y ait pas d'animosité, qu'il n'y ait pas de mauvais sentiments, mais donnez parce que vous êtes motivé et porté par l'amour de Dieu. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Voyez-vous? Et vous voyez, la Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Est-ce que Dieu nous a aimés? Très bien.
Romains 8, verset 5, verset 8, Dieu prouve son amour envers nous, de ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Regardez là, il prouve son amour. Dieu t'a donné le meilleur de ce qu'il avait avant que tu ne le connaisses. Il a prouvé son amour en te donnant 100% de ce qu'il avait. Donc aujourd'hui, si Dieu attend quelque chose de toi, ce n'est pas 10% de ce que tu possèdes, mais 100% de ton cœur pour lui, pour qu'il y ait ce qu'on appelle une relation d'équilibre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, reviens encore, s'il te plaît, révérend Franck, avec ton offrande. Alors, voyez, quand il a remis tes 20% dans l'enveloppe, d'accord, Dieu l'a reçu, très bien, et il est resté avec ça. Regardez, viens. Quand il prend ça et qu'il s'en va au marché, et qu'il achète un t-shirt, dans sa pensée, il dit, je l'achète pour glorifier Dieu. Un autre jeune homme dira, je l'achète parce qu'il faut que les jeunes filles voient que je suis beau. Une autre jeune fille dira, il faut qu'on me remarque. Elle pense à les mettre dans un sac. Vous achetez tous, vous dépensez tous l'argent, mais pas avec les mêmes intentions. Une autre personne dira, je suis un serviteur de Dieu. Il est important que j'ai une bonne voiture, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je suis une servante de Dieu, il est important que mes cheveux soient propres. Il est important, je suis le temple du Saint-Esprit. Dans la motivation derrière ces dépenses, même si elle a donné 20% à l'hôtel, les 80% sont investis pour les intérêts de Dieu. À partir de ce moment, on ne peut pas juger en disant à la personne, tu n'as donné que 20% à Dieu, ce n'est pas vrai. Parce que même en faisant la peinture de sa maison, la personne a fait comme pour le Seigneur. Ou alors, quelqu'un d'autre est malade. Ah oui, je vais aller soutenir la personne. Je vais. Mais Dieu a demandé une partie sur l'autel. J'ai déposé la partie. Je ne suis pas propriétaire de ce qui me reste. Je suis intendant. Donc, partout où le besoin se trouve, où Dieu a dit, vas-y, j'y vais. Parce que même avec les 80 000, je reste encore la propriété de Dieu entre mes mains. C'est pas à moi. Non, c'est pas à moi, c'est à Dieu. Et la Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le comme le faisant pour le Seigneur. C'est-à-dire, inclut vos dépenses. Dépensez-les comme les dépensant pour Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu peut vous en vouloir d'être allé payer une mèche à 200 000 alors que vous pouvez négocier pour l'avoir à 185 000? Si vous payez à 200 000, ce que vous pouvez payer à 185 000, vous n'avez pas exploré avant de payer. Vous devenez un dépensier dans le royaume et Dieu vous jugera. En disant, je vous ai donné deux seuls argent, tu allais dépenser n'importe comment. On vendait ça à côté à 150 000, tu n'as pas eu le temps de regarder. Tu as mal dépensé mon argent. Tu peux m'acheter une caméra à 3 000 euros, alors qu'on la vend à 2 000 euros, Dieu t'en voudra. En disant, mais pourquoi tu as dépensé mon argent avec autant de légèreté? Parce que les 1 000 euros pouvaient servir à la scolarité de 10 enfants. Mais toi, tu l'as dépensé sans réfléchir. Alors, à partir de ce moment, vous devez comprendre quelle est l'économie biblique. Comment est-ce que Dieu réfléchit en termes de richesse? Il ne pense pas comme les hommes. Il pense comme mon Dieu. C'est pour ça qu'après avoir multiplié les pains et que tout le monde a mangé, il dit ramassez ce qui reste et que rien ne se perde. Le problème, c'est que même dans vos poubelles, se trouvent des jugements de Dieu contre vous. Même dans vos poubelles, ce que vous jetez, même dans vos placards, certains d'entre vous avaient 25 paires de chaussures, vous ne portez que 3 ou 4, ou 5 ou 6. Et ça fait 8 ans que vous n'avez pas porté, mais c'est là. Il y a des gens qui n'ont pas de chaussures. Dieu, quand il vous regarde, il dit, vous êtes un assassin, vous jugez mal mon argent. Donc vous voyez que c'est toute une philosophie. La philosophie de l'adorateur, ce n'est pas la même chose que le simple fait de venir à l'église. Oh oui, si quelqu'un vient maintenant ici, il donne une offrande de 10 millions, je vais acclamer, je serai content. Mais rien ne prouve que Dieu sera content. Dieu ne vous juge pas sur le montant de ce que vous donnez. Mais il regarde d'abord à ce que vous faites avec ce qui reste quand vous avez donné. C'est-à-dire que s'il vient maintenant et il me donne 90 000 et il reste avec 10 000. Et un autre vient, il me donne 900 000 et il lui reste 9 millions. Qui aura pu se donner parmi les deux? Il a donné 90 000, il lui reste 10 000. Quelqu'un donne 900 000, il lui reste 1 million ou il lui reste 9 millions. Qui a pu se donner? Celui de 900 000. C'est pas vrai. Pour l'église, on fera asseoir. Souvent même, le pasteur peut faire asseoir le gars sur la chaise. Assieds-toi. Il n'y a pas de place pour toi sur le pupitre. Viens t'asseoir sur la chaise en même temps. C'est là ta place. Parce qu'il a donné
un montant qui, aux yeux du pasteur, est beaucoup. Mais il y a une femme qui vend de la loco, qui a eu 100 000 le mois et qui est venue, avec ses faibles revenus, a apporté 50 000 pour contribuer à un programme. Et le pasteur l'a méprise en disant, il n'a rien donné. Quand Dieu regarde et dit, tu es méchant, ce n'est pas juste. Cette femme a donné 50% de ce qu'elle avait. Ce riche, non seulement il a volé aux pauvres, non seulement il a brimé les pauvres, mais ce qu'il t'a donné ne représente même rien par rapport à ce qu'il a. Quand moi je regarde les deux, je valorise celui qui a donné moi. Mais aujourd'hui, comme l'Église est tournée vers la cupidité, la mendicité, vers l'amour de l'argent, comme l'amour des choses de ce siècle, alors on encense les personnes qui donnent des gros montants et on méprise ceux qui donnent peu. C'est pourquoi, quand Dieu m'a enseigné sur l'argent, vous allez remarquer que je ne fais pas de distinguo entre le faible et le fort, entre le riche et le pauvre. Pourquoi? Parce que je sais une chose. Le faible, la Bible dit, que la Bible, on dit qu'il soit fort. Le pauvre dit que je suis riche. Celui qui hier est pauvre a un avenir de riche. Mais le riche, écoutez-moi bien, il peut avoir un avenir de pauvreté demain s'il germasse la richesse. Donc il faut valoriser ceux qui ont le futur. Pas ceux qui sont déjà dans le futur. D'accord? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et c'est pourquoi je disais un jour, je parlais avec un pasteur au Congo, je lui disais, je rends grâce à Dieu de ce que Dieu m'a envoyé des personnes qui n'étaient pas riches au départ. Mais vous savez, c'est une bénédiction de participer à l'élévation de certaines personnes, de participer à l'enrichissement de certaines personnes. Sinon, en fait, si on ne se rend même pas compte, on commence à aimer les gens pour ce qu'ils ont. On est cupide. On n'aime pas les gens, mais on aime ce qu'ils ont. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. D'accord? Que cela ne soit point ton partage. Hein? C'est possible qu'on aime les gens pour ce qu'ils ont. Et c'est possible aussi qu'une femme aille en mariage pour ce que l'homme a, pas pour ce qu'il est. Ou que l'homme aussi aille en mariage pour ce que la femme a, pas pour ce qu'elle est. Et ce qu'on a peut toujours finir, mais ce qu'on est demeure. D'accord? C'est très important pour ce qu'on est. C'est très important. Et aller à Dieu pour ce qu'il est. C'est vrai que Dieu, rien ne va tarir entre les mains de Dieu. Mais aimer Dieu pour ce qu'il est, aimer les gens pour ce qu'ils sont. Et participer à ce qu'ils deviennent des personnes meilleures dans la vie. C'est important. Entre frères et sœurs dans le royaume, nous devons avoir cette pensée. Et pour terminer, voyez-vous, en restant dans cette psychologie de la dîme, qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu la notion des partenaires pour Dieu. Vous voyez, il y a des gens parmi vous dans cette assemblée, je vais vous dire des choses très profondes, très profondes. On n'a pas tous le même avenir financier, non. On n'a pas tous le même avenir financier, je dis encore non. On n'a pas tous le même avenir financier. Certains d'entre vous, vous allez arriver à un revenu de 1 million par mois, vous allez vous arrêter là. Mais ce sera bien pour vous, c'est votre seuil. Et vous ne cherchez pas à aller à 100 millions, vous n'avez pas le potentiel de gérer 100 millions. Vous serez heureux avec 1 million. Vous ferez de grands espoirs avec 1 million, c'est parce que vous n'êtes pas appelé à être gestionnaire de grosses fortunes. L'empire financier, c'est un appel. Il y a un niveau de richesse. Quand on l'atteint, il faut être appelé par Dieu. Sinon, on est détruit par la richesse. D'accord? Maintenant, ce que Dieu appelle un autre palier, qui ont le don de libéralité, qui sont des provisionnaires pour le royaume, ceux-là, Dieu les oint d'une onction particulière. Pour être à même de gérer l'argent, c'est un don. Ce n'est pas tout le monde qui l'a. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que Ananias et Saphiras ont été frappés de mort. Alors qu'il y a beaucoup d'entre vous ici à l'église qui avaient volé Dieu qui n'est pas mort. Est-ce que je dis est faux? Et je prie que la miséricorde de Dieu vous soit accordée au nom suprême de Jésus. Regardez comment vous êtes nombreux à dire amen. Ça veut dire qu'il y a beaucoup qui ont volé Dieu entre-temps. Que Dieu vous pardonne au nom de Jésus. Amen. La repentance, c'est bien. C'est très important. Vous voyez, Ananias et Saphiras ont vendu leur propriété, n'ont pas apporté tout, et ils ont été frappés parce qu'ils ont menti en disant, c'est tout ce qu'on a apporté. Vous voyez, il y avait sûrement un appel de la libéralité sur la vie d'Ananias et Saphiras. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait donner ses montants. Mais eux, ils étaient appelés à ça. Quel est ton appel? Il y a des gens qui sont appelés à gagner de l'argent. C'est un appel de Dieu. On ne va pas tous opérer au même palier. Il y a des gens parmi vous que je connais, que Dieu m'a parlé de vous, Dieu m'a parlé de votre futur, Dieu m'a parlé clairement de votre avenir financier. Je le sais, je prie pour vous, c'est votre appel. Mais vous ne pouvez pas vous comparer à quelqu'un qui vient qui dit, bon, j'ai donné 1 million pour le temps. Il y a des personnes parmi vous, vous devez donner 100, vous devez donner 50, vous devez donner 20, vous devez donner 25. Et ça ne bouge pas ce que vous êtes et ce que vous avez. Vous voyez, mais à cause de la cupidité,
et du fait que nous regardons plus à l'argent qu'à Dieu, maintenant on commence à compter ce qu'on dépose sur l'autel. Et c'est pourquoi la dîme n'a pas le pouvoir de rendre un homme riche. Ça va, on va au-delà. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu bénisse ton cœur. Que cette vérité se dépose dans ton homme intérieur. Que la puissance de la vérité chante ta mentalité. Et que Dieu fasse de toi un véritable adorateur pour sa gloire au nom suprême de Jésus. Que les miracles financiers t'accompagnent sur le chemin de ta destinée. Que le Dieu qui a marché avec mon père Abraham, qui a été avec Isaac et avec Jacob, soit avec toi au nom de Jésus. Que celui qui m'a tenu la main de la gastif et qui m'a conduit jusqu'ici soit avec toi au nom suprême de Jésus. Et qu'il te donne de voir des miracles particuliers et singuliers dans ta vie de tous les jours, afin que ta vie soit un témoignage élogieux de sa puissance au nom suprême de Jésus. Je te déclare béni de bénédictions spéciales. Je te déclare comblé de façon particulière au nom suprême de Jésus. Que ta vie soit un témoignage de sa grandeur. Que la puissance de Dieu t'accompagne chaque jour au nom suprême de Jésus. Que Dieu circoncise ton cœur et qu'il donne à ton cœur de chercher premièrement ses intérêts. Que tu sois attaché à Dieu et non à l'argent. Que tu sois attaché à son œuvre et non à ta vie personnelle. Que tu ne fasses plus cas de ta propre vie, mais que ton cœur soit engagé pour sa cause sur cette terre au nom suprême de Jésus. Je parle sur ta vie et je déclare ce que le dévoreur avait volé, que cela te soit restauré au nom suprême de Jésus. Ce que tu avais perdu, que Dieu te donne de le retrouver au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi, quelqu'un dise amen. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Il est écrit, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, reçois cette portion de miracle au nom suprême de Jésus. Que Dieu augmente tes revenus, qu'il le fasse accroître, qu'il multiplie sa faveur, qu'il te donne au-delà de toute mesure, au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Que le pauvre dise, je suis riche. Que le faible dise, je suis fort. Et que la main de Dieu te garde. Que la richesse soit ton partage au nom de Jésus. Donne trois bons amen. Que quelqu'un dise yeah! Alléluia. Acclame le Seigneur si tu crois qu'il est vivant.